aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Roblox. Donc voilà, et une vidéo un petit peu spéciale. C'est un challenge. C'est un challenge qui concerne le contenu par que je dois. Je vais décorer ma maison en Encanto. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis déguisée en Mirabelle de Encanto. Alors, bon, c'est vraiment difficile, mais j'ai essayé que ça ressemblait un peu à le personnage du film. Ça ne ressemble pas vraiment, mais ça va. Donc du coup, c'est parti. Donc j'ai déjà commencé à faire la cuisine. Voilà. Ce panneau-là, je vais l'enlever. Voilà, c'est rien. En fait, c'est un salon. Mais en fait, j'ai quand il n'y a pas vraiment un salon. Là, je vais la garder, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là aussi, je vais la garder, je sais pas ce que je vais en faire. Et maintenant, du coup, je vais passer à autre chose. On va faire un sol, bien évidemment. On prend cette couleur. Voilà. Le mur. Je vais garder la salle de cinéma parce que je ne pense pas que je vais vraiment faire un truc. Je sais pas. J'ai pas encore. Donc du coup, je vais effacer la salle de bain. Parce que pour être pas vraiment. Donc ici, ça va être. Une chambre, je pense que ça va être la chambre de Abuela. Donc voilà, je sais pas, non, ça va être pas là, je sais pas. Bon, ok, d'accord. Après, je sais pas si je vais faire la chandelle tout au Donc du coup, on va faire la chambre Isabella. On va faire la chambre de Isabella. Donc du coup, on va mettre comme mur, on va mettre comme la tour et fleurs, on va lui mettre un mur vraiment à son goût. On va le faire comme ça. Voilà. Et on va lui mettre un lit suspendu. Même pas ici. Enfin, ouais. On va voir. Du coup, on va y aller dans les divers. On va y aller dans les chambres. Rubrique chambre. Elle a genre un lit comme ça, mais après je sais pas. Voilà, comme ça. Et alors elle a un lit comme ça suspendu. Pour faire le truc suspendu, je vais devoir avoir la grosse brique. Comme ceci. On va la suspendre jusque là. Après, c'est vous choisissez
suspendre. Donc, voilà. Pour l'instant, ça, c'est comme ça. Alors, vous allez enlever cette partie-là. Voilà. Il y a vraiment que son lit est suspendu maintenant. Donc, du coup, pour faire les tiges, on va falloir besoin d'avoir, je crois. On va mettre PL. Et on va lui mettre du bon. Je sais pas si ce sera assez. Écoutez, on va remettre la planche, comme je sais. La planche que tout le monde utilise. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les bambous. Et vous allez pas placer les bambous. Du coup, vous allez placer les bambous. Voilà. Un bambou là. Voilà. On va voir ce que ça donne quand on enlève. Et vous voyez ce que ça donne quand on enlève. C'est vraiment très beau. Je trouve que c'est vraiment très beau. Bon, vous pouvez faire les tiges comme ça. Après, si vous voulez les tiges plus longues, vous pouvez. Mais moi, je vais faire comme ça. Que... Ouais. On va changer la couleur de son lit. Car je crois que la couleur de son lit est rose. Donc, voilà. Bien sûr, dans sa chambre, elle a toujours toutes les décorations. Donc on va y aller dans la rubrique décoration. On va y aller du coup. Non, elle est dans les chambres. On va mettre un tapis. Parce que au-dessus, je crois qu'il y a un tapis. Ouais, c'est ça. Il y a un tapis comme ça. Tapis comme ça. Voilà. Donc ça, on va le laisser. Hein. On va oublier de mettre là. Voilà, vous pouvez prendre des arbres, n'importe quelle taille, ou etc. Moi je prends plus ou moins à ce qu'elle aime. Car vous savez, elle adore les plantes. Alors c'est pour ça que je fais tout ça. Après que vous avez terminé la chambre de Isabella, vous allez maintenant du coup aller dans la prochaine chambre. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever. Attendez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans la salle de cinéma. Car en fait, je vais faire la chambre de Louisa. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. Et je parle de la chambre de Louisa. Du coup, je vais lui mettre un mur vraiment beau. Voilà. Vous allez dans la rubrique
chambre. Elle est sportive, bizarre. Vous allez mettre son lit comme ça. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre un peu des trucs sportifs. Vous allez mettre des trucs qui correspondent à son style, on va dire, c'est pour ça. Ce qu'on va lui faire, comme elle est sportive, on va lui faire du coup. Donc, pour faire le tapis roulant, ce que vous allez faire, vous allez prendre le tapis. Après, vous allez prendre un tapis comme ça. Le tapis de sport va être un petit peu grand, mais ça, ce n'est pas grave. Vous allez prendre vous allez dans les briques, comme ceci. Vous allez les mettre en grille. Donc, voilà. Vous allez mettre maintenant le tapis en noir. Voilà. Comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre et vous allez prendre les trucs comme ça. Ce que vous allez faire maintenant, on va mettre le truc. Donc vous savez de quoi je parle. Enfin, je pense. Maintenant, vous allez faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ok, donc, vous allez... comme ça. Je vois que j'ai fait une petite faute là, alors je vais mettre une petite là bien sûr.
allez remettre comme ça. Et vous allez faire tout simplement, comme je vais dire, le truc pour que Lisa, elle regarde combien de points elle a. Je trouve que c'est plutôt réaliste. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très bien, très bien, très bien. Okay. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très beau. Les autres chambres, donc on va passer aux autres chambres. En fait, j'ai vraiment une idée là-bas. On va faire là, ici. C'est la chambre de parents de Mirabelle. Ouais. Bon, je suis Mirabelle d'ailleurs. Donc voilà. La maman de Mirabelle, elle a bien sûr une mini petite cuisine, car si vous ne savez pas, elle adore cuisiner. Alors c'est ce que on va lui faire tout de suite. Parce que sinon ça va durer 1000 ans après tout ça. On va maintenant faire le lit devant la télé. Du coup, aussi là je suis un petit peu en train d'inventer des fois les chambres, mais là, la chambre d'Isabella, je ne l'avais pas inventée. Voilà. Du coup, la chambre. Les parents de sont ensemble. Hein. Les parents de Mirabelle. Et Mirabelle. Enfin, après, on va les mettre. Pas vraiment faire tout le monde.
pas prépa de chérie. Dans Ekanto, bien sûr. Donc on enlève tout ça. Avec eux. Parfois elle a des problèmes. Maintenant, vous allez faire les rayons de soleil avec les briques que vous allez mettre. Non, 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 non. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais pas prendre? Voilà, nouveau soleil. Enfin, peut-être qu'il faut que je d'accord. Voilà. On va le mettre maintenant. Un lit. Qui représente un petit peu le soleil. Bien sûr, ça va être là, la chambre, s'il te plaît. Donc, Félix, c'est le mari. Que les parents de Mirabelle, voilà, parce que Mirabelle, enfin bref. Je pense que la chambre de Anton, ça sera là, la piscine. Ici, ça va être la chambre de Dolores. Donc la cousine, bien sûr, de
Dolores, c'est une de mes préférées. Et voilà. C'est vraiment une de mes préférées. Dolores. Rouge et du jaune. Du coup, on va lui mettre du jaune comme sa mère, Peppa. Car Peppa, c'est aussi la tante de Mirabelle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre un petit emoji. Pour faire un emoji silencieux, il va falloir cette brique. Bon, on revient. Bye.
là, j'ai mis deux petits livres. On passe à la chambre maintenant. La chambre de Camilo. La chambre de Anton. Anton. Donc on va faire la chambre de Camilo, le cousin de notre appel. Maintenant, on va passer à la chambre très très belle. Thank you.
j'achète des trous là. La chambre de laisser la chambre de Bruno, mais c'est vrai, Bruno il était parti, du coup on va pas me partir. Bon, j'en ai acheté combien là? Vous allez mettre maintenant.
maintenant on passe au room tour. Nouvelle aventure. Bye mes besties.